Alors c'est ça le premier acte que tu fais. Je suis tombé. C'est définitivement le meilleur objet. Aujourd'hui, on va acquérir le nouveau meilleur objet qui soit. On leur a menti encore une fois. Ouais, encore une fois mec, nouveau titre. On vous a rementi. On va aller acquérir un petit baby au moyen du tip de notre abonné. Est-ce que les gens nous soutiennent dans nos stupidités? Tu te souviens quand j'avais dit je veux un petit baby? Oui. C'était une blague, Billy. Sauf que maintenant j'en veux un, c'est vrai. Mais je veux qu'il soit tout petit, attention, un tout, tout petit baby. Tu te souviens? Oui. Flashback. Petit baby. Un tout petit baby. Tu vois, un tout, tout petit baby. Un petit baby. Un tout petit baby. Un baby, mais vraiment tout petit. Et juste là, une lambeau. Tu sais qu'on est presque 20 000. Every day, il y a de nouvelles personnes, mec. Qui souhaitent faire partie du vegan bulk, qui souhaitent faire partie de cette famille. Il suffit de s'abonner, non mais tu te rends compte? C'est facile en fait. Le clic d'un bouton et tout est bon. Gros, c'est vraiment l'architecte de notre destruction, s'il te plaît. Ça va tuer notre productivité, regarde. Je me place dedans, la journée est terminée. Et donc, nous sommes dans le vegan bulk 2018, épisode 29. 29. Oui. Oh, je vous souhaite la bienvenue. T'as bien dormi, Billy? Ça va. Parce que là, on a dormi 11 heures. Hein, non, pas. Je me suis couché très tard, moi. J'ai eu du mal à m'endormir. Ouais, parce que dans l'appartement d'en dessous, en fait, il y a des mecs qui parlent. Mais je sais pas de quoi ils parlent. Oh, ça mais ça je les entends parler de minuit. C'est réciproque, la gêne entre voisins? De minuit. Parce que nous, tu sais, on dérange les gens, hein. On dérange tout le monde. C'est ouf. Mais nous, on les dérange jusqu'à 2h du matin. Eux, c'est à partir de 2h du matin. Ouais, chacun son truc, hein. Et encore, nous, on a personne en haut. Parce que moi, j'ai mis un point d'honneur à ce que je sois à blouson au sommet. Dernier étage, je dois être de tap minimum, sinon ça m'intéresse pas, attention. Le loyer pouvait être le double, je m'en battais les couilles, je voulais être au sommet. c'est comme ça. Si tu veux, pas d'ascenseur, les courses sont très lourdes dans l'escalier. Mais je m'en bats les couilles, moi. C'est une question d'ego, d'accord. T'imagines le mec. Moi un jour, quand je serai très très riche, tu sais, ici quelques mois là. Oui. Eh ben, j'aurai un mansion tout en haut, straight to the top of the building, 55e étage, avec piscine on the rooftop, et petit baby. Mais alors un tout petit baby et une lambeau juste à côté. Pour piloter de la cuisine au salon. Évidemment, mais juste pour le gag, on a foutu un petit baby à côté. Mais évidemment, Billy, j'ai plus le choix, je l'ai dit. Donc aujourd'hui, on va acquérir le meilleur objet qui soit. Et on va faire de grosses épaules, on continue à prendre de la masse. Et on va aussi s'acheter une balance dans le bendo parce que... Oh, le nouveau meilleur objet. Une balance pour se peser, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas pesé avec Vinny, parce que nous n'en possédons pas. Avant, on se pesait chez mon père, mais je ne vis plus chez mon père, je vis dans le bendo. Donc évidemment, ça c'est un argument ça. Pour acheter un frisbee, pour des raisons évidentes d'amusement. On pourrait s'envoyer des clés USB dessus. Oui. On se passe des fichiers, tu sais. Ou alors on crée un nouveau système, mais vraiment ingénieux de poulie. On a aussi un projet de frigidaire qui nous balance des canettes dans la gueule. Le bendo n'a pas fini d'être épique, que c'est moi qui vous le dis. Préparez-vous à des titres, le nouveau meilleur objet 2, le nouveau meilleur objet 3. Oh, nous nous étions trompés, le meilleur objet qui soit. Oh, mais qu'est-ce qu'on avait raconté? C'est ceci le meilleur objet qui soit. Okay, les 5 prochains. Les mecs, ils ont aucun avis. Ouais, donc on va pouvoir se poser, on va voir combien j'ai pris. J'ai pris visuellement, j'ai l'impression que j'ai pris. Plusieurs personnes d'entre vous m'ont dit que j'avais pris des bras. Moi, je trouve que j'ai pris des jambes aussi. Billy me l'a dit quand il a fait son montage. Mais il faut voir les chiffres. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Si. C'est vrai. Moi, un jour, j'ai vu le numéro 2 dans la rue et il m'a menti. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il m'a dit qu'il fallait que j'aille à gauche et en fait, il fallait que j'aille à droite. Ça m'étonnerait. Parce qu'il faut toujours aller à gauche. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Queen Bee. To the left, je l'invente ou je l'invente pas? Mal barré. Tu l'as souligné. Voilà. C'est génial mec, on est heureux. C'est génial, on est heureux. Après ça c'est pour aujourd'hui, demain, on ne sait pas. 3000 kilocalories on l'a fait aujourd'hui. Ah, évidemment, mais c'est tous les jours, ça c'est pour s'en rappeler vite. Ça bougera jamais. Il y aura juste un petit hop comme ça tout à l'heure quand on aura vu qu'en fait j'ai perdu 2 kilos. Tu sais tout à l'heure, tu sais ce moment. Flash forward.
I like that. Hey, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je les viens de le mettre, Billy. C'est génial. Là, on est baisé parce qu'on est obligé de trouver un truc. Donc c'est un nouveau principe, ça. Nouveau principe, ça vient de sortir du cul. Oui, j'imagine, ça c'est la tête. Alors ça pourrait. Observe, Billy, trick shot. On part en vlog. Allez, c'est sûr. Alors là, Benny a oublié d'allumer le micro et il a fait un shot de moins une minute où il parle tout seul comme un débile. Donc je vais faire un voice-over de ce qui s'est passé. Alors voilà, moi je m'appelle Benny et j'ai une belle barbe. Je vais vous donner des petits conseils de barbe. Il vous faut un petit peigne et de l'huile. De l'huile de... De barbe. De l'huile de barbe, oui, tout à fait, oui, Benny. Vas-y, explique-nous qu'est-ce que tu voulais dire, Benny. Que j'avais oublié la GoPro et que j'étais un connard. C'est ça que tu voulais dire? Oui, non, et t'as eu besoin de 45 secondes pour dire ça, oui, Billy? Ben oui, écoute... Et il y a du talent dans tes gènes, ça c'est indéniable. Et j'ai rencontré ta famille. Oh la brutalité. Mais il faudrait passer par l'étape, faire la poussière. Et ça, jamais. Bon, je peux le faire si tu veux. Est-ce que t'as l'impression que je l'ai déjà fait? Bah, je vois que non, puisque c'est la poussière est collée à ta voiture, en fait. Chut, tapis. La poussière, normalement, ça vole. Là, je sais pas, il y a une couche de colle entre la poussière et ta voiture. Ouais, mais c'est une métaphore. Non, c'est pas une métaphore. Hein. Non, c'est pas une métaphore. Je sais pas comment on fait pour enlever l'air. C'est une métaphore. Non, c'est pas une métaphore, Bruno. Non, c'est pas une métaphore. Juste en étude. Parce que si tu ne prends pas ton envol, eh bien, tu restes collé dans ta merde. La voilà, la métaphore. C'est pour me rappeler éternellement qu'il faut que je fasse la poussière. Eh ouais, Billy. Ah, tu sais, les humains, ce sont des animaux. Ce sont même les pires. C'est la pire race de sous-merde. La voilà, la vérité. Moi, j'aurais voulu être une panthère. Ou un petit écureuil. Ou une poule. Bouffer des glands. Je lui dis, on n'a pas appris les mêmes choses. Et ben, c'est ce que je vois. Et je lui ai envoyé une photo de mon anus. Eh ouais, Billy. Imagine le mec qui a pris la photo. La position qu'il a dû aborder pour choper son anus en photo. Et j'ai pas besoin de l'imaginer, je l'ai fait. I've done it, I've made it, I've lived it. Ok. Donc ouais, moi j'ai déjà même regardé mon anus dans un miroir, tu sais. Avec un système ingénieux de poulie. Ouais, mais tu penses qu'un jour on utilisera le terme influenceur pour désigner ce qu'on fait? Moi je pense pas. Je suis direct dans ce terme. Donc on ne l'est pas. Moi si je dis aux gens. En fait, tout le monde est influenceur dans un sens. Tout le monde influence la vie de tout le monde. Tu vois. Et sur les réseaux, c'est vrai qu'on a de l'influence. Mais de là à se nommer influenceur. J'ai vu tout à l'heure, je traînais sur Instagram, tu sais, j'étais en train de foutre ma vie en l'air quoi. Et je vois, il y a une meuf. 1 million d'abonnés Insta machin et elle met French influenceur. C'est son travail. Influenceur. Je trouve ça honteux. En gros, c'est comme si tu disais manipulatrice professionnelle. Elle doit doubler, mec. Ouais, mais elle sera première au feu rouge. Y a pas de feu rouge, mais sur autoroute. Sur le carrefour de la vie, eh bien, je l'encule. Ouais, tu te souviens du début du vegan golf, mec? Oui. Comment on se sentait? Comment on était? Qui on était? Oui. Est-ce que tu ressens une différence? Oui. Oui, mais le magasin. Tu sais le magasin? Le mot magasin. Magasin. On va magasiner? Battle flip. Je cherche des noises. On a plus qu'à rentrer, mec. Il y a marqué bienvenue. Eh ben, je me sens pas bienvenue. Moi, je dis, c'est, moi qui c'est fini, mec. Le monsieur se moque de nous. C'est fermé. Tout est fermé. Je préfère. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Mec, tu sais que là. Ça dépend, est-ce qu'il y en a du vegan? C'est quand même des magasins bien foutus, ça. Il y a toute une âme, un branding, une identité, une histoire. 5 chapitres, 3 actes.
T'es pas comme notre bendo où il y a un pantalon, du déodorant et une œuvre d'art sur le mur, on sait pas pourquoi. On s'en va, ça m'énerve. On appelle ça en France. Mec, t'as la même. La mode. T'as une moustache aussi, gros. J'ai pas la même, mec. Observe-moi. Observe. C'est bon, pareil. J'ai une arrogance à la française, si tu veux. Mais j'ai pas une gueule de connard. Des gens qui les yeutent. You can see it. Y'a des gens qui les yeutent là, là. Il faut qu'on aille se la regarder. Mais t'as raison, y'a des gens qui les yeutent. C'est bon, Wabi. C'est bon. C'est le mien. Bah, les pattes. C'est à moi. Navré. Il est content, il est content. Je suis très heureux. Ça m'a demandé du travail, mais je suis très heureux aujourd'hui. Ah bah, c'est bien. Merci beaucoup. C'est ce qu'il faut. On se connecte aux gens, nous. Qu'est-ce que tu veux? Alors, ça coûte combien? Parce que je m'en fous, je le prends. Et c'est le même prix que ça, en fait? Même prix, ouais. Mec. Il est là. Je veux le magasin, monsieur. Je veux tout ce que vous avez qui soit miniaturé. Il y a un mini jukebox aussi. Il y en a deux mini. C'est bon, ouais. Je prends les deux. Non, mais viens, on prend un mini billard aussi, mec. Il y a un mini frigo, mec. Est-ce qu'il est ta propulsion? Ah, tu prends aussi le mini billard, du coup. Comment survivre sans? On va jamais être aussi moins productif qu'à partir de maintenant. On peut faire moins encore. T'es dire. Viens, on teste pour voir si comment quand même. Il y a des mini fléchettes aussi. Pas mal, Sabine. Je mets la rouge avec la rouge. Ouais, ça fait pas facile. C'est pas facile. Et écoute ce bruit, Billy. Qui a pas l'habitude de payer beaucoup de choses. Le mini est en hockey quand même. Qu'est-ce que c'est que c'est? On teste et on devient heureux. Okay. Mais ça fonctionne, mais comme jamais, mec. Et affronte-moi. Tu sais que ça marcherait? Oh le bâtard. Eh, hey, tu perds. Ouais, ça, c'est un pendule décision. Oh, où était cet objet toute notre vie? Definitely. On va décider si on prend aussi le mini billard au moyen de cet objet hors du commun. C'est parti. No way. On le prend pour Bini. D'accord. Parce qu'on en a pas besoin et ça c'est le destin qui vient de me le dire. Par contre, on prend cet objet. Vas-y. Brenda. Eh, comment veux-tu que les enfants n'aient pas une vision de la réalité déformée? Regarde ça. Évidemment que les femmes complexes et que les hommes aussi d'ailleurs. Matt, c'est quadriceps. Moi j'ai envie de me suicider quand je vois ça. T'as vu mes quadriceps? Oui. T'as vu ses quadriceps? Oui. Et t'as vu sa queue? Nous merci. Allons désormais être heureux, Billy. Merci. On nous a dit de pas le prendre, du coup on a décidé de prendre cet objet à la place. C'est ça. Pour avoir des meilleurs choix dans nos vies. Moi je sais pas comment on a pris des décisions jusqu'à aujourd'hui. Je comprends pas. Sans ce truc là en fait. Mais désormais, on est serein. Plus jamais on aura à réfléchir de notre vie. Déjà que ça partait pas très loin généralement. Mais là vraiment on va pouvoir. Mais depuis le pouf du Benno là, tu sais le pouf. On va rester là et toutes les décisions seront prises à notre place. Mon nom au sommet. Au sommet. Ouais. Blouson. Numéro de téléphone. Directement. Je vois que la madame ne perd pas son temps. Mon numéro de téléphone à moi quoi. Non mais franchement, 06 80. Vous pouvez acheter mon book sur blouson.com/énorme. Ah bah achetez mon book. Alors 71,80€. Ah ouais, faut payer, c'est vrai. C'est pas fait pour un titanesque vision astral ces trucs. François, je suis pas sûr que t'aies le droit. Évidemment que j'ai le droit, mec. Mais ça, tu ne sais pas à quel point je suis en train d'imaginer ça, Bini. Mais alors. Eh bien, l'UICF va vous demander une cotisation de 6 euros. Mais elle va vous donner 5% d'achat. On se barre, s'il te plaît. Il n'y a pas mon bonheur ici. Normal, dans les bras d'une femme. Allons-y. Ou alors dans cet objet. Ça c'est génial, mais. Ouais, c'est pour les testicules. Mais si, Bini, tu les mets comme ça dedans? Nous sommes donc désormais en possession du petit Babi. Merci Marvin pour ton aide. C'est vraiment nécessaire à notre survie. Et grâce à toi, eh bien, on va pouvoir s'en sortir. On va à la part, Bini. Ouais. Putain. Bon.
Ah bah. Yachou! T'aurais pu m'attendre, gros. Eh non, mec. Moi, je me barre. Bah, tu es un boulet que je traîne au pied. Tu es lourd dingue, Billy. Ah, je plaisante, tu sais bien. Oui, je sais. Et bam! On a un petit mari, mec. Eh, c'est instantané. En vérité, Benny a mis 3 quarts d'heure à le monter. Flashback. Pourquoi il y a autant de vis pour un baby? J'imagine, moi je t'ai regardé de loin, tu sais. Oui, enfin, je me curais le nez, je crois. Et ça avait l'air affolé. Plus jamais. Plus jamais. Moi je te propose de tirer un petit papier pour ton édite muscu des épaules de tout à l'heure. Ok, j'ai 80s. Les 80s. Ah, les années 80? Ouais. J'ai cornemuse. Cornemuse des 80s. Belle transformation. Fais ce qu'on veut dans le. Mec, ce que je te propose, parce que c'est totalement impossible de faire une cornemuse dans les années 80s. C'est comme essayer de rentrer une gigantesque trompette dans le cul d'un bison. Ça ne fonctionne pas, mais ça c'est prouvé. Tu veux qu'on aille le prouver? Oui. C'est chaud. C'est chaud parce que j'ai pas de trompette. Donc, ce que je te propose, mec, c'est que tout simplement. On s'affronte dans un combat à mort, avec des couteaux, mitrailleuses, bazooka, chaises de bureau, tout ce que tu veux est autorisé, pour savoir qui l'emporte. Non. Non? Alors on fait ça au baby-foot. Oh. Eh ouais, c'est pas mal aussi. J'avais pas pensé, c'est vrai, j'ai été con et tout, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi. Here comes the new challenger, he's called Blue Zoo. Oh, summer! Today he will be fucked in the ass by the challenger, Billy. Donne mes couilles. La voilà la vérité. C'est mon bendo maintenant. Il revient pas. Et j'ai quand même besoin de toi, gros. Pourquoi faire? Sinon, y'a personne devant la caméra. J'avoue. Ce sera donc un edit sur le thème de la cornemuse. Vinny, tu vas nous faire un chef-d'œuvre, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi non plus. Et parce que moi, en vrai, j'adore la cornemuse. Je sais. Je trouve que c'est magnifique. Et comme je te l'ai dit hors caméra, mais je le redis pour la caméra, parce que c'est ça notre vie désormais. Il y a des remixes métalleux ou hard rock de cornemuse qui sont archi stylés. Kira, checker si ça te plaît, après tu fais comme tu le sens, mais c'est une idée comme ça. Alright, est-ce que t'es prêt pour de merveilleuses et magnifiques épaules de gros beauf? Ouais. Transition pouf. Bien sûr, mais mets le casque, sinon tu vas te faire mal. Eh hey mec, on a dit cornemuse. Oui, oui, il y a Vivaldi là. On a dit cornemuse, tu rentres et tu fais cornemuse. Ça vous a plu la cornemuse? Moi bon, j'espère que ça vous a plu, je l'ai pas encore vu alors qu'il est. Désolé pour la basse qualité, on a oublié une carte SD, bref voilà. Là on filme sur le petit smartphone, mais dans une minute c'est terminé, vous n'en faites pas. Vous vous souvenez de ce lieu, hein? RT si tu t'en rappelles. Donc je vais faire ma pesée, on va voir si j'ai progressé au niveau du poids. Je trouve personnellement que visuellement j'ai progressé. Ouais, c'est bien mardi. Donc c'est parti. Pesée. Are you with me now?
Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I like that. Check ça. Mec, j'ai pris 2 kilos. Eh oui, en un mois. C'est parfait. C'est parfait. C'est génial. C'est impeccable. J'ai pris 1 kilo aussi, je suis plutôt petit. C'est très bien. C'est génial. Je suis aux anges. Avec 2 zèbres. Tu sais. Oui. Aux anges. Moi aussi. À Bini, c'est parti. C'est comment, Bini? C'est... T'as pris environ... J'ai pris presque 3 kilos. Ah. Il y a du gras là-dedans. Là. C'est... Beaucoup trop. Mais je vais continuer. Eh, mais en même temps, tu fais autant de calories que moi alors que j'ai 10 kilos de plus que ça. Et ils nous l'avaient dit, les gens, tu te souviens? Mais je leur donne raison. Voilà. À juste titre. Mec, faut qu'on aille jeter les cartons, là. Tu sais, la milliard de tonnes de cartons, là. Parce qu'on a acheté moult objets. Un petit bali, un pauvre géant, ça sert à rien. C'est... On va faire ça? Oui. Ok, let's go. Ok. Non, on va rester à 3000 kilocalories parce que ça fonctionne, vous avez vu. J'ai pris le poids idéal, je suis très content. Ça fait un mois de prise de masse et j'ai pris environ voilà, entre 1,6 kg et 2 kg, je me souviens plus de mon poids de départ. En tout cas, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut. Je le vois visuellement, donc je suis très content. Vous aussi, vous me l'avez dit, c'est cool. Benil, il va réduire un petit peu ses calories parce qu'il a pris un petit peu trop vite. Donc il y a du gras, c'est de la logique. Normal. Mais on s'en sort bien et c'est cool. Enfin, ça fonctionne, je suis très content. Tu as vu mon visage? Ah bah, il est éclairé par la lumière. Tu as vu comme ça se dépose sur ma gueule? C'est vraiment une faciale divine. Ça, c'est... Oui. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'être végétalien ça empêche de devenir musclé, je serais même un gros bouc de faire des gros muscles, on a de la protéine, on a tout ce qu'il faut, d'ailleurs, vous avez mon bouc pour ça. Blousonsauvage.com/énorme si vous voulez de belles recettes, protéines, végétales, tout ce que tu veux, machin. Beau, bon, intelligent, généreuse, ces recettes vous feront l'amour. Oui. Bon, après, ce que je dis n'est pas contractuel, attention. Donc allez voir si tout ça vous intéresse, pensez à vous abonner si jamais, pour une raison obscure, vous n'êtes pas abonné, ça n'a pas de sens, faites-le, vous serez beaucoup plus heureux dans votre vie, et ça c'est prouvé, puisque moi je suis abonné à ma propre chaîne, regardez-moi. C'est vrai que moi aussi je suis abonné à ta chaîne. Comment tu te sens, Bini? Très heureux. Évidemment, Bini. Parce que ça, c'est contractuel. C'est pas contractuel. Je vous remercie pour votre temps, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à demain, parce que c'est everyday. Bisous, frangine, ciao. T'as jamais pris ton anus en photo, Bini? Je sais pas à quoi ressemble mon anus. Tu ne sais pas. Mais j'ai jamais regardé mon anus dans... Quoi? Mais je suis choqué.